Soyez les bienvenus dans les Oui, c'est possible, où je vais à la rencontre de personnes qui ont osé créer leur vie de les rêves, osé créer leur vie qui les inspire, des personnes connues, moins connues, pas connues, peu importe, des humains qui ont dit oui, c'est possible. Les Oui, c'est possible, on se transforme, on vibre haut et on impacte le monde. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Muriel Châtel. Elle a décidé d'avoir un mode de vie nomade. Et elle se laisse traverser, libre, par la vie. Et comme elle m'a dit, je vis ma vie comme je veux. Tout un programme. Elle accompagne aussi les personnes vers une quête de soi. Elle va vous emmener dans un beau voyage, le sien. Muriel, bienvenue. Alors, c'est quoi ton oui, c'est possible, Muriel? C'est quoi ce beau voyage dans lequel tu vas nous amener pendant 2 heures? Eh ben, c'est vraiment un voyage à l'écoute de soi, parce que ça a été mon chemin, mon parcours. En tout cas, c'est comme ça que je peux le nommer aujourd'hui. C'est-à-dire d'écouter au plus profond de moi-même quel est l'élan de l'instant. Et cet élan de l'instant, il n'est pas... Au départ, il était un élan plus que de l'instant. C'est comme quelque chose qui était en attente et qui me disait, là, il est temps de passer à l'étape suivante ou à l'action. C'est ça que j'ai envie de dire, parce que aujourd'hui les élans, ils sont beaucoup plus spontanés, condensés, ils sont neufs pour certains, pour d'autres, ce sont des rêves qui se réalisent et que j'avais complètement oublié, mais qui ont le goût comme de l'enfance, c'est-à-dire qui découvrent son cadeau. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'instant. Voilà, c'était un appel très, très profond de l'être qui a toqué au départ assez violemment à la porte. Et après, j'ai juste suivi le courant, en fait. Et ce courant avec ses conforts et ses inconforts. Hein. Alors justement, est-ce que tu peux me dire en quelques mots quelle était ta vie d'avant? Ok. Alors, il y a 10 ans de ça, j'occupais encore un poste de responsable santé, sécurité, environnement dans une collectivité semi-territoriale qui, là, traitait, elle, du déchet de A à Z, peu importe le sujet, mais ça a aussi son importance dans mon histoire. Exactement. Voilà, et j'habitais à la campagne, le site était à la campagne, au milieu de la nature, donc ça c'était déjà pour moi un grand cadeau. Je vivais à la fois dans un bureau, dans ce poste, et à la fois à l'extérieur, parce qu'il y avait un centre d'enfouissement, un centre de compostage pour les déchets, une déchetterie, donc j'aimais être dehors, c'est ce qui me plaisait, c'était être le moins possible dans le bureau. C'était déjà un avant-goût d'aventure, je dirais. Et en fait... Ok, tu vivais ça. Le déclic, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qui t'a dit? Ben là, ça y est, je m'en vais et je deviens, comme tu dis, je pars vers une vie nomade. Parce que alors, c'est un grand saut. Ouais, il y a eu un grand saut et en même temps, ce n'est pas un grand saut parce que tout se fait par étapes. En tout cas, dans mon existence, ça s'est fait par étapes. Je vais faire juste un petit... retour en arrière, de 2005 à 2008, on va dire, tout l'organisme tombe en état dépressif. Je fais un burn-out, et en tout cas, je ne fais pas, mais tout ça est en burn-out, avec une absence de confiance, une angoisse permanente, une peur de tout, une espèce d'état de survie très, très, qui m'a emmenée vraiment dans les noirceurs. Et puis, je sors de ce... On pourrait dire confinement, je vais prendre le mot parce que de ce confinement, non pas forcé mais imposé par la vie, et je sors de ça de façon miraculeuse. Donc en 2008, je me rappelle et j'entends une voix à l'intérieur qui me dit « il faut que tu fasses un spectacle ». Et je faisais du théâtre d'improvisation depuis plusieurs années et ça m'habitait. Et j'entends, tu vas faire un spectacle, et moi j'entends, et je lui dis à cette voix, mais tu ne te rends pas compte, je suis en état dépressif, on ne va rien faire du tout, quoi. Et du coup, j'ai fait confiance à cette voix, je l'ai suivie parce qu'elle s'est représentée, et je suis allée voir mon prof de théâtre un soir où j'avais théâtre, et je lui ai dit, écoute Lou, je ne sais pas, mais apparemment, il faut que je fasse un spectacle. Et il m'a pris au sérieux, il m'a dit, je te donne réponse la semaine prochaine.
Et la semaine d'après, je lui ai dit bonjour Lou. Et j'osais même pas lui poser la question pour pas voir la réponse. Et il me dit, tu sais, au fait, ta question, ben, c'est OK, on part pour faire un spectacle ensemble. Et il m'a accompagnée pendant un an et demi. J'ai coécrit une histoire qui est mon histoire personnelle, que j'ai coécrit pour la mettre en scène. Lui, il a remanié quelques éléments pour que ça soit d'un point de vue humoristique, parce qu'il y avait des scènes dramatiques comme le suicide, que j'ai imaginé sous toutes ses formes. Et j'aime bien parce que je me vois avec le sourire. Aujourd'hui, je peux vraiment parler avec le sourire et le jeu de la vie, en fait. Hein. Et du coup, on a monté ce magnifique spectacle qui s'appelait « À mes vies » ou « Le fabuleux destin de Valentine » et qui n'a jamais été joué parce que, pour des raisons personnelles voilà, de la vie, mais qui pendant un an et demi m'a accompagnée sur ce chemin, on va dire thérapeutiquement parlant, et qui m'a complètement révélée. Et donc l'artiste en moi était déjà en action depuis des années, mais là ça a été déjà une grande révélation, et cette confiance qu'il me faisait aussi, et que je lui faisais. Et suite à ça, en fait, il y a eu une expansion, c'est-à-dire que tous les appels intérieurs, je les ai suivis au plus près, sans avoir la conscience que c'était des appels intérieurs. Je sentais juste que ça s'imposait à moi. Et un an et demi après, j'ai reçu, ouais, un an et demi, ouais, j'ai reçu l'appel en disant « Et si tu devenais coach ?» Et en fait, j'accompagnais une amie dans mon travail, qui subissait du harcèlement psychologique, et je l'accompagnais, en fait, j'étais près d'elle et je la comprenais tellement, et parce que je le vivais, moi, à un autre niveau. Et du coup, à un moment, je voyais que je l'accompagnais vraiment et que ça lui faisait du bien. Elle me disait, ouais, c'est génial, et je la faisais reprendre confiance en elle. Et je me dis, mais en fait, j'ai toujours fait ça, en fait, sous des formes variées. Donc, c'était une évidence. Donc, j'ai écouté cette voix qui m'a dit, deviens coach. Et puis, il y avait une voix à l'intérieur qui sabotait complètement cet appel et qui m'a dit, non, mais n'importe quoi, tu vas aller jusqu'à la retraite, tu vas continuer, tu te poseras la question dans 10 ou 15 ans, mais pas aujourd'hui. Et puis, cette voix est revenue, toujours pareil, quelques jours après, et elle s'est fait beaucoup plus forte, beaucoup plus prononcée, je l'ai juste écoutée. Et je l'ai suivie parce que ça avait le goût de bon, comme je dis maintenant. C'est-à-dire, ça avait une résonance en moi qui me faisait contacter la joie. Je ne mettais pas tous ces mots à l'époque, mais c'était un peu comme une évidence cachée. Et du coup, ben, j'ai suivi ça. J'ai trouvé une formation de coach, on va dire, plutôt spirituelle, la seule en France d'ailleurs à l'époque. Et j'ai fait un stage d'une semaine en immersion avec un groupe. Et ça m'a renversée dans le bon sens. Ça a révélé l'artiste en moi, ça a révélé énormément de choses. Et quand je suis revenue chez moi et au travail, j'ai dit, c'est plus possible. Il va falloir vraiment que je passe à autre chose. Je me sens tellement empreint de l'énergie et de la résonance complète avec énormément de parts de mon être que je peux que dire oui. Et ça a pris 3 mois et demi et j'ai quitté cette entreprise, en fait. Donc, on pourrait dire que ça a été un début, mais comme je le raconte, c'était déjà en route. Et j'ai toujours aimé le spectacle depuis toute petite, et c'était déjà en route tout ça. J'en ai l'émotion parce que c'est un simple appel de notre être, en fait. C'est-à-dire qu'on sent les choses depuis l'enfance. Moi, je dansais devant mon poste de télé, je regardais FEM, ou je regardais des séries où il y avait de la danse, du chant, du théâtre, ces séries à l'américaine. Et j'étais vivante et vibrante devant mon poste et je me disais, mais c'est ça que je veux vivre. Donc, c'était déjà en route. Et cette artiste en moi, aujourd'hui, elle est sous une phase très simple. C'est que je suis artiste de la vie, toute simple. C'est-à-dire, je me laisse traverser et je suis le pinceau de Dieu qui peint comme ça l'enchante, en fait. Et pour revenir sur le côté nomade, j'ai jamais rêvé de vivre comme je vis aujourd'hui, mais j'ai toujours eu l'âme de voyage depuis toute petite, et j'avais l'impression d'avoir une puce en fait en moi. C'est pas mes parents qui ont cultivé ça, ils n'étaient pas des grands voyageurs, on faisait juste du camping en France. D'ailleurs, c'est les seules vacances qu'on avait, c'était faire du camping, et c'était déjà
énorme pour moi. C'était un goût d'aventure. Et de vivre comme je vis aujourd'hui en fourgon aménagé depuis 6 ans maintenant, dans des lieux différents, dans des partages différents au niveau du collectif aussi, j'ai jamais reçu cette info. Et quand j'avais des amis qui avaient un fourgon, ça ne me parlait pas du tout, quoi. Ça ne me parlait pas du tout. Pourtant, j'avais de la famille qui aimait être en caravane, etc. Mais ça ne résonnait pas pour moi, mode de vie. Donc, ça s'est présenté pas à pas, comme ça. Donc, il y a 10 ans, je quitte cet emploi. Je sens que je dois explorer mon potentiel et mes possibles de l'humain ou de l'humaine que je suis. Et je sens d'explorer ce côté artiste. Et très peu de temps après, je vais déménager et je faisais de la biodanza à l'époque. Et ça m'habitait, ça me nourrissait complètement. Et donc, j'avais décidé, comme c'était à 1h30 de chez moi, d'aller habiter dans la ville où il y avait cette activité. Parce que c'était une évidence et j'avais tout un groupe d'amis. Je me disais, ça va être génial et tout. Donc, je suis toutes ces impulsions. Je pars vivre là-haut. Et il se passe plein de choses qui sont en lien avec des attentes, c'est-à-dire je vis des frustrations, je vis tout un tas de choses qui sont créées bien sûr par ma pensée et par mes projections qui disent ça va être vachement mieux là-haut. Et il y a un côté qui était très très bien et puis tout un autre côté qu'il faut entre guillemets se farcir qui est toutes les parts qu'on ne veut pas voir de soi et qui petit à petit se dévoilent. Et donc je comprends et je réalise que ma vie rêvée, ce n'est pas la vie réelle. Hein, c'est entre le rêve et la réalité, y a un pas, c'est-à-dire il y a des choses qu'il faut que je goûte de moi-même. Donc, je commence à goûter tout ça en conscience. Et en même temps, il y a une inspiration qui me vient juste avant le déménagement qui est, je vais voir le film « Manche prix M » avec Julia Roberts et je sens une révélation en moi du voyage, de vivre autrement. Et donc, il y a déjà quelque chose qui est en route. Et sur le chemin du retour, je vois... un camion, je vois l'image d'un camion en sortant du film. Et je sens que parce que j'avais demandé un signe d'avoir un message très clair de quelle est ma suite, parce que vivre ses potentiels, oui. Faire quoi ? J'étais morte de trouille. Qu'est-ce que j'allais faire, vraiment ? À part marcher tous les matins, je m'offrais d'aller marcher dans la nature tous les matins, c'était mon rêve. Donc, je réalisais au moins un rêve. Et donc, il y avait tout un tas d'autres choses que je sentais, mais il me fallait de la clarté pour savoir quel pas j'allais faire. Et donc, je vois le fourgon comme une image qui descend comme ça dans ma conscience. Et là, je dis, ah ouais, c'est très clair. Je vais partir faire une tournée artistique avec un fourgon que je n'ai pas, d'ailleurs. Et ça a été ma quête. Donc, pendant plusieurs mois, j'ai essayé de trouver ce camion. Au bout de 5 mois, je crois, 4-5 mois, je l'ai trouvé. Et je suis partie, en même temps, je rencontre par vidéo un être qui a beaucoup compté dans ma vie, qui s'appelle Marc Vella, qui est un pianiste nomade. Et il allait déménager, ou il déménageait en Charente. Et je contacte cet être qui parle de la beauté de l'humanité. Et je suis touchée, je tombe amoureuse à la fois de lui et de son discours. Et je me dis, il faut que je le rencontre, c'est incroyable. En plus, il a créé ce qu'on appelle la caravane amoureuse, donc une caravane qui voyage dans le monde entier. Et ça m'inspire beaucoup. Je dis, mais en fait, c'est mon projet, mais moi, je l'imaginais toute seule, mon projet. Mm-hmm. Et donc, je le rejoins quelques mois après dans un festival qui s'appelle le Festipiano chez lui. Et là, c'est encore un boom de révélation et d'amour qui descend à travers mon être et qui me connecte non seulement à ma part artiste, parce que je rencontre là-haut que des artistes sous toutes ses formes, et des gens beaucoup plus libres dans leur esprit, ouverts, avec le cœur ouvert, qui sont dans le partage, et je sens une résonance profonde avec ce que je suis. Et je sens de revenir chez lui. Et donc, j'ai fait pas mal de choses chez lui, du bénévolat, du woofing. J'ai fait la caravane amoureuse en France en 2012, puisque c'était en France à cette époque-là. Là, c'est une grande révélation. J'ai l'impression de vivre un truc immense. Ça dure 15 jours pour moi, mais j'ai l'impression qu'on est parti pendant... des mois, voire une année. Et donc, je sens l'intensité, la densité de l'expérience vécue, en fait. Et tout ça s'imprime dans mes cellules, dans comme des reconnexions profondes
à des choses qui m'habitent, mais que je ne fais que qui se révèlent à moi et qui se, comme je dis, qui se reconnectent, qui se nourrissent. Et il y a eu un enchaînement. Et en 2013, je rejoins un chaman sur un camp et je pense rester quelques jours. Et en fait, je fais tout le camp, je reste les 3 semaines. Et je ressors avec une décision, c'est je vais aller vivre les pieds dans l'herbe. Et comme j'avais déjà ce fourgon aménagé, que je n'avais pas forcément exploité au niveau artistique, me vient, il est temps de partir avec le fourgon. Donc en fait, tous les éléments ont l'air de s'imbriquer les uns dans les autres. C'est-à-dire, je ne savais pas que j'allais faire ça avec le fourgon, partir habiter avec le fourgon quelque part. Je pensais juste faire ma petite tournée artistique que je n'ai pas fait en fait. Je l'ai fait, mais pas artistiquement, j'ai fait en faisant autre chose. Et cette année, la première année où je l'ai acheté, et en fait, les choses se sont imbriquées pas à pas et se sont révélées à moi sous une forme. Et c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que la forme est définie par la vie elle-même. Je le découvre comme le paquet au pied du sapin, c'est-à-dire que je sens des appels, je les suis, mais je ne sais pas quelle forme ça va prendre, je ne sais pas vraiment où je vais aller, mais je sens que cet appel est tellement intense et profond et résonne tellement avec moi que alors, je n'ai pas le... Muriel. Il y en a eu, ça a un petit peu coupé au niveau connexion, je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, moi très bien. Bon, alors redis un petit peu, je couperai. Alors, on va mettre un temps off. Voilà. Redis ce que tu viens de dire, là, juste à l'instant. Si ça ne te dérange pas, si tu te souviens. J'essaie de me rappeler où j'en étais. Oui, tu referas le montage. Hein. Donc, je disais que je fais… Ouais, j'ai tellement d'éléments que je pars faire ce camp chamanique et à l'issue de ce camp chamanique, la décision… et d'ailleurs, quelqu'un nous demande quelle est la décision que vous allez prendre maintenant au vu de ce que vous avez vécu. Et moi, je pose la décision, je vais aller vivre dans la nature en fait. Et ça devient vital. Et comme j'avais fait une reconnexion très forte avec la terre, vraiment avec l'élémentaire, j'avais l'impression d'être la terre. Quand je mettais l'argile sur moi, il y avait beaucoup de rituels à l'argile. Je me sentais être l'argile. Je sentais que ça pénétrait dans mes cellules. D'ailleurs, quand je le mettais sur moi, je sentais un truc très archaïque, viscéral, comment on va dire oui, archaïque, c'est le mot. Et du coup, c'était une évidence d'aller vivre dans la nature et de poser des actes. Je fais juste une digression. Je suis en plein enregistrement, Isabelle. On peut fermer la porte ? Non, on ne peut pas. Je fais avec les éléments de maintenant. Et du coup, je décide quelques mois après de mettre tout cela en place, en fait. Et 4 mois après, je quitte mon lieu de vie, je vends tout, je liquide l'appartement, tout ce qu'il contient, et je dis, je pars qu'avec ce qui tient dans le fourgon. Et ça, c'était donc début 2014. Et en 2014, je décide d'aller faire du woofing, parce que j'avais rencontré des personnes qui m'avaient inspirée. Et je décide d'aller faire du bénévolat donc pour apprendre des techniques de vivre ensemble, de vivre au naturel, de faire des choses le plus en lien avec un potager, aider à des, comment on va dire, des techniques de construction naturelle, ce genre de choses. De la permaculture peut-être aussi. Oui. Quand je dis du jardin, c'est vraiment dans cet esprit en fait. Hein. Tous ces lieux généralement sont dans cette... esprit et c'est ce que je découvre, mais je découvre bien plus que ça en fait. Hein. Je découvre des parts de moi à travers tous ces partages d'ouverture très simples dans des lieux très, très beaux qui vivent en communion avec les ressources naturelles. En plus, c'était dans un écolieu qui s'appelle, comment il s'appelle déjà celui-là je ne sais plus, mais il est près de Nantes et c'est un des premiers lieux pilotes en France qui date
des années 70, hein, c'est après 68. Hein. Et peu importe. En tout cas, il y a une richesse et une densité qui s'appelle à moi de vivre le plus possible en lien avec le côté naturel. Et du coup, je suis juste ces éléments. Et juste avant, en fait, tout se passe en synchronicité. Je rencontre des personnes pour aller vivre sur un terrain. On se rencontre dans un contexte qui s'appelle les Fêtes de la Paix à Nantes en tant que bénévole. Et on est 4-5 à avoir un projet de vivre ensemble quelque part dans la nature. Et du coup, tout ceci se condense et fait que en 2014, je décide d'aller vivre, le projet est mûr. Nous avons un terrain qu'on nous prête d'un ami et je vais vivre une expérience donc et rejoindre ce groupe d'amis début 2014, on va dire en avril exactement 2014, je me pose sur ce terrain avec le fourgon. Et là, pendant un an et demi, je vis une expérience qui est au-delà de ce que je pense, hein, parce que rêve et réalité s'actualisent dans le maintenant, et je vois plein de frustrations se vivre. Et du coup, là encore, je goûte que ce que j'imagine, ce n'est pas la réalité. Il va falloir que je goûte à la réalité, c'est-à-dire ce qui ne se passe pas est à vivre. Et ce qui se passe est juste ce qui est là, maintenant. Donc, je suis confrontée à mes limites, à mes conditionnements, à mes projections. Et se passe un conditionnement en vitesse accélérée, puisque je suis toute seule. Tout ce que je pensais partager avec les gens ne se passe pas. Et du coup, je suis confrontée à être face à mes attentes, mes frustrations. Et je vois, et là, tout un travail intérieur qui avait déjà bien commencé avant, depuis 2010, se renforce complètement, en fait. Et du coup, c'est un processus accéléré. Dans le même temps, je rencontre ce qu'on appelle un cours en miracle, qui est un cours qui se fait de façon autonome. J'ai la chance de rejoindre aussi un groupe qui agit avec cette énergie du cours en miracle, en tout cas qui se réunissent au nom de ce cours. Et là, ça s'accélère encore plus dans la prise de conscience, dans ce que j'ai envie, vers quoi j'ai envie de diriger mon énergie, uniquement vers la quête de soi et la reconnaissance de ce que je suis vraiment. Donc, vas-y, finis, excuse-moi. Non, j'allais dire, de l'appel d'un côté nomade, ça a été beaucoup plus loin, en fait. C'est vraiment d'aller à cet essentiel et de contacter ce que je suis profondément. Alors, tout ça, ça a commencé donc 2014 avec son lot de frustrations, d'attentes, etc. Donc, aujourd'hui, tu en es où? Et j'ai envie de te poser la question, le regard des autres, parce que je pense que quand tu as commencé à dire « je quitte mon boulot, de deux, je vais vivre dans un camion, c'est ça, hein, dans lequel tu vis. » Oui. Est-ce que le regard des autres a été compliqué pour toi ou ils pensent ce qu'ils veulent, mais en tout cas, moi, je vais vers mon essentiel, comme tu dis. Comment ça s'est passé? En quelques lignes pour… Bien, au niveau cercle amical, ça s'est très bien passé parce que c'était des gens ouverts et qui m'ont plutôt soutenue. Hein. S'ils avaient des peurs, on en a parlé et ça n'a pas du tout été limitant. Par contre, je me suis éloignée de mon cercle familial qui aurait été beaucoup trop et qui était de toute façon trop limitant et trop, comment on va dire, qui sabotait, hein. Qui aurait pu s'aborder. Donc, j'avais cet instinct de ne pas m'approcher d'eux, en tout cas de partager à distance et de m'éloigner des personnes les plus néfastes pour moi dans le sens de suivre mes élans de vie. Donc, ça a été un instinct très naturel de suivre cela. Ça n'a pas été facile hein, à vivre du tout, mais ça a été une évidence de me protéger quelque part, qui n'est pas une protection, mais qui est de vraiment m'entourer des bonnes personnes. Et moi, j'ai envie de te dire, parce que ton parcours, je t'écoutais, je buvais tes mots. Je buvais tes mots quand j'entendais frustration, la réalité, ce qu'elle est. C'était un joli cours là, que tu nous donnais, une jolie inspiration, pas joli cours, j'aime pas dire le cours, mais ça me revient encore dans ma bouche. Mais une jolie inspiration, parce que très souvent,
on est dans nos attentes et après on est frustré parce que ça ne se réalise pas comme on voudrait que ça se réalise. Et moi, j'ai envie de te dire maintenant ce parcours-là que tu as fait, ce cheminement vers toi, on est en chemin toute la vie, ça c'est une évidence. Comment tu te sens aujourd'hui, là, ici et maintenant, puisqu'on parle du ici et maintenant, comment tu te sens? Ouais. Ben après tout ce chemin, j'ai passé toutes les étapes des 4 dernières années qui ont été très douloureuses, avec une traversée de la nuit noire de l'âme, donc une remontée des ombres de façon tsunamisante, je dirais vraiment comme ça. Ça m'a nettoyée, je dirais presque complètement, de schémas enfermants. Donc je me sens libre, légère, authentique, vraie, dans une simplicité d'être. Le mental n'agit pratiquement plus pour me saboter, et si ça l'est, c'est sur des petites choses de l'existence, ça n'est plus sur l'essentiel, et du coup ça devient bon d'être avec soi. En tout cas, j'aime ma compagnie, j'aime ce que je suis, j'aime tout de moi, que ça soit goûteux humainement ou pas, parce que tout a un goût, et tout ceci est un grand film. Je vois ma vie comme un film, je suis cette conscience pure qui goûte à l'existence dans sa simplicité. C'est beau, c'est très très beau, ma belle. Vraiment, ça fait plaisir. Et justement, tu parles de liberté. Alors, on enregistre pendant le deuxième confinement, là où nous, en tout cas, dans les villes, toi, je ne sais pas comment tu ressens tout ça. Comment tu ressens tout ça, là? Sans faire de polémique, ça reste. Oui. Ben, c'est très simple, je ne ressens rien du tout, c'est un vrai film pour moi, je ne suis pas confinée, et même quand j'étais dans le confinement, il y a le premier confinement, je suis arrivée chez un ami, il s'est passé des choses extraordinaires, on était au pied des chemins de randonnée, je ne me suis jamais sentie confinée, je suis sortie comme je le sentais, sauf la plage qui était vraiment fermée. Ici je suis à la plage, à l'océan, à 500 mètres, j'y suis tous les jours. Je me crée un contexte de vie dans des paradis, en fait, pour moi. Donc, je ne crée plus de circonstances qui me confrontent à des choses qui ne me nourrissent pas. Donc, moi, être en ville, ça ne me nourrit pas du tout. Donc, j'ai besoin d'être dans la nature pour être 80% du temps dehors. Et ça, c'est une évidence pour moi. Je ne me pose même plus la question. C'est beau. Ah, j'ai des petits frissons, moi. Ah, c'est beau, tout ça. Donc, alors, est-ce que tu as des projets pour la suite? C'est quoi tes projets, là? Est-ce que tu as encore des rêves? Je n'ai pas des projets. Oui. Ben les projets arrivent au fil de l'eau. Il y a des projets beaucoup plus vastes, qui est comme mon projet Source de vie, qui est un projet à semer, un peu comme les oasis en tout lieu de Pierre Rabhi. Moi, c'est mon oasis à moi, c'est mon identité, on va dire, dans les sens, hein, qui n'est pas personnelle, qui est l'identité de chaque être, de redevenir souverain de son propre royaume, donc de sa vie, et de pouvoir le partager au plus grand nombre, dans des lieux soit éphémères, permanents, ou, comme j'aime à le dire, temporaires, mais où on vient partager cette énergie, et donc de créer à un moment des lieux ressources où les êtres humains vont pouvoir se rencontrer, ce qui se fait déjà partout sur la planète. Mais moi, ce qui m'a été inspirée, c'est de le nommer source de vie, parce que ça vibre et ça résonne. Donc ça, c'est un gros projet dans lequel je mets un peu d'énergie fréquemment, et que j'en parle, et qui n'a pas encore de forme précise, mais qui peut se déployer sous énormément de choses. Et d'ailleurs, on vous mettra, elle a un Facebook, on mettra tous les liens, hein, Muriel, pour te retrouver aussi. Hein, on fera ça sur le descriptif, en fait. Je mettrai tous les liens pour qu'on puisse te retrouver. Voilà. Et alors, moi, j'ai envie de te dire, parce que ton histoire, elle est vraiment super inspirante. Elle est c'est un enseignement que tu nous transmets, là. Moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu conseilles? On est dans une période où beaucoup d'êtres humains sont dans une grande souffrance, dans beaucoup de questionnements. On ne va pas se le cacher, moi. C'est vrai qu'autour, on voit que ça bouge beaucoup. Moi, j'ai envie de te demander, quel conseil? Bon, pour maintenant et pour après, peu importe. Quel conseil tu pourrais offrir aux gens pour les accompagner dans leur « oui, c'est possible », quel qu'ils soient, peu importe ce qu'ils soient. Quel conseil, Muriel, tu pourrais donner?
ce qui me vient, c'est toujours cette simplicité, c'est écoute ton cœur avec discernement et ose faire le premier pas en toute simplicité. Et tout ce que va te raconter ton mental est faux, tout. Donc, écoute ton cœur et vois après ce que ton mental te raconte et fais bien la part des choses. Voilà, c'est oser être et suivre ce cœur qui est vibrant, vivant et qui t'appelle en fait, c'est un appel. Waouh, bon, bah écoute, franchement, c'était un moment fabuleux, très, très puissant, très profond, franchement. Franchement, merci beaucoup. Je te remercie du fond du cœur pour ce bel enseignement que tu nous as transmis. On mettra tous tes liens pour que les personnes puissent te retrouver. C'était doux, c'était tendre, c'était beau. Et je te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir participé à ce oui, c'est possible, au tien d'ailleurs, qui c'est le plus important. Et pour avoir aussi inspiré les personnes qui le regarderont. Je te dis à très, très bientôt. Je te suis, moi, sur les réseaux. Donc, je vois un petit peu ce qui se passe pour toi. Vous pourrez le voir aussi, ce qui se passe aussi pour Muriel. Et puis, je te dis à très, très bientôt. Et puis, vous prenez soin de vous dans cette période compliquée pour beaucoup d'entre nous. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous envoie plein, plein, plein d'amour parce que c'est là le plus important. L'amour, je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à très, très bientôt pour une autre invitée, parce que c'est une dame encore. J'ai beaucoup de dames sur les Oui, c'est possible. Et à très, très vite. Au revoir, Muriel. Au revoir. Et merci beaucoup pour ton invitation, Céline. Merci et je souhaite le meilleur à chacun.